tous, aujourd'hui on se retrouve donc devant le bus, je pense, Bravo, enfin. Spiro! Maintenant que tu as les 14 talismans, ton guide peut forcer la serrure et tu peux combattre Gulp. T'es prêt? Oui, cette fois. Même pas peur. Tu vas peur. Devoir sauter dans le trou du sol pour rejoindre Ripto et Gulp. Je peux te donner un petit coup de main. J'ai apprivoisé des ptérodactyles de la terre de Skelos. Ils lâcheront des objets qui t'aideront à combattre Gulp. Ok. Donc c'est du vol. Gulp, Avalar, nous appartient enfin. Tu as mérité une récompense spéciale. Gulp, qu'est-ce qu'il y a? Oh, la fée, c'est parti. Tu as cramé ma cape! Dragon, tu commences vraiment à beaucoup m'agacer! Au revoir, gueule de flamme! Gueule? À table! Gulp. Sacré nom. Achève-le et tu auras toutes les fées que tu voudras. Ça va beaucoup m'amuser. Surtout pas de le laisser prendre des poules parce que sinon il se régénère. Fois le toucher. Allez, mon coco, vous me donnez quoi? C'est un tonneau. Thank you.
trouvé ma bombe. Là, j'ai de la chance et que j'ai pas été touché comparé aux autres fois. Allez, allez. Et oui. On a libéré le deuxième monde. Spyro, tu as réussi. Wow. Et Laura, d'où est-ce que tu sors? J'étais pas loin du château des plaines automnales. Le château est de nouveau libre. Il n'y a aucun signe de Ripto. Et comme tu n'as pas chômé, les créatures d'Avalar commencent à bien s'entendre. Comme tu as beaucoup fait pour Avalar, et comme je sais que tu aimerais prendre des vacances, nous avons décidé de faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que tu aimeras. Oh, waouh, c'est génial! Tu ne te joins pas à moi? Ah, non. J'aimerais bien, mais je dois aller voir le professeur dans la toundra hivernale. Il essaie de réparer le super portail pour te renvoyer chez toi. Oh, ça me paraît intéressant. Je pense que je vais rester là un moment et me faire bronzer. Hey, où est allée, Laura? Je ferais mieux de la suivre. Gloops vaincu. Je crois que j'ai enfin trouvé un moyen d'accéder au monde des dragons depuis le super portail. Ce cristal de puissance devrait nous donner l'énergie requise. Encore une poignée de calcul pour tout configurer. Je crois que j'y suis. Excellent! Ça y est, tout est enfin prêt. Il va nous falloir beaucoup plus d'orbes, mais avec l'aide du cristal de puissance, le super portail devrait fonctionner. Alors, vous pensiez être débarrassé de moi? Eh bien, ce n'est pas le cas. J'ai persuadé ce gros lard, Richard, de me vendre quelques bombes. Vite, le cristal de puissance! N'essaie même pas, l'intello, ou tu seras le tas de cendres le plus malin du coin. C'est exactement le nouveau sceptre que je voulais. Chasseur, fais quelque chose, vite! Hey, prends-nous ça! Bon, j'ai essayé. Bande d'imbéciles! Quand je vous aurai détruit avec mon nouveau sceptre, je vais rebaptiser cet endroit Riptonia. Bon. Spyro. Ripto est toujours en vie, et il nous a enfermés hors du château. En plus, il nous a volé le nouveau cristal de puissance pour le super portail. Donc voilà, il faudra aller récupérer le super cristal. Donc j'espère qu'on va avoir le... On est arrivé dans le monde 3, hein, je pense. Hein. Monde de la toundra hivernale, voilà. Donc j'espère qu'on va avoir le... de nouveaux pouvoirs, comme ça on pourra aller finir le monde 2 à 100%. Ah bah déjà quand on voit ça, c'est qu'on va l'avoir. Parce que c'est ce qui manquait dans l'autre. Mais à quel niveau, à quel moment on va l'avoir, ça c'est toute la question. Je pense que c'est un pouvoir qui va, qu'on va pouvoir casser des pierres, qu'on va pouvoir casser des choses comme ça pour qu'il y ait des pierres comme ça. À la recherche. Donc il y a des mondes, ça on est au courant. Bon, Spyro, voilà comment ça se passe.
Je n'ai plus qu'une chose à t'apprendre. Et comme tout ce qui a de la classe, eh bien, je n'ai pas donné. Payer 1000 gemmes pour apprendre la charge de tête. La charge de tête n'est pas compliquée. Tout ce que tu dois faire, c'est sauter avant d'appuyer sur action. Avant d'appuyer sur X, d'accord. Ok, ça y est, donc on a appris la charge de tête. On va faire un essai avant de repartir dans l'ancien monde, dans l'autre monde. Exemple ici, parce que dans l'autre monde, il y était. Non, sauter et comme ça. Voilà. Alors on va faire aussi l'essai sur le caillou pour voir. Ah. Là non. Essayer un peu partout quand même. Là, il faut... Ah oui, il faut le faire, mais du... je pensais qu'il fallait le faire d'en haut. Donc maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire, non, on va pas aller plus loin. Je vais juste faire le devant pour être sûr, comme d'habitude. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Le devant est fait, on pourra attaquer les parcours par la suite. Voilà, donc nous retournons briser la pierre. On a eu l'orbe, d'accord, j'ai même pas vu qu'on a vu un orbe, donc ça c'est fait hein. Nous on va retourner dans l'oasis ombragé. Donc on voyage pour le finir. Alors. Ah, Spiro, c'est une bonne chose. Si tu... Oui, on connaît. Vas-y. Mange, ouvre la porte. Et... D'accord. On m'a tenu sur la route, mais c'est pas grave. Et tout. Ah oui, ouais. Faut que je monte là. Ah, raté. C'était... Ah si, j'ai pas pu y aller. Ah, il fait fuir. C'est toi. Je vais tenter, hein. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut que je tue tout le monde, quoi. T'attends ta pomme, j'arrive. Olé. Tiens ta pomme. C'est mon fils, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude. On entend tout dans le micro, Enzo. On entend ta belle voix d'habitude. Je
non, pas là, j'en viens. Comment tu veux que j'aille là-haut déjà? Ah oui, c'est avec la boule. Oui, je sais, tu veux ta pomme. Voilà, je me rappelle, excuse-moi. Voilà, et t'as ta pomme. Je vais casser tout. Merci de m'avoir aidé à atteindre. Oui, on sait. Je l'ai déjà. Je sais. Ensuite. Spyro ! Je sais. Non, je t'ai déjà attrapé. Allez. Merci. Alors, comment c'était où ? En dessous là, ah le plat. Donc il y a encore autre chose parce que 400 diamants. Donc j'ai tout eu, ça y est. Bon, ah là, il me manque une orbe. J'ai pas trouvé le dernier orbe qui me manque. Mes 8 frères sont piégés dans la roche et ils couleront si tu ne parviens pas à les libérer. Fais une charge de tête sur les rochers en sautant, puis en appuyant sur action. Suis-moi. D'accord. Suis-moi. Et souviens-toi, saute et appuie sur action pour faire une charge de tête. Je cherche pas vraiment des signes. De m'avoir libéré. Ici, il disait. Je vais transformer tes bottes en or, il disait. Oh, salut, Spyro. Je suis content de te voir. Je te serais reconnaissant de trouver cet alchimiste. Il me doit un service. Comment avant de faire la première mission? Sérieux? Moi, ici, il disait. C'est bien, bon.
se faire louper. D'accord. 1, 2, 3. Je me sens déjà bien mieux. Tu veux prendre ceci en récompense ? Je l'ai déjà. Voilà. Pendant que tu es là, tu veux bien m'aider à calmer ces stupides terraformeurs ? Alors comment maintenant ? Botte le derrière au terraformeur. Très bien. Quand je tire sur un terraformeur avec une flèche, tu fais une charge de tête sur lui avant qu'il ne se relève. Souviens-toi, pour cela tu dois sauter puis appuyer sur action. Ok. Ah, dis-moi lequel tu vas tirer. Ouais. T'es où? Tout s'est détruire. Ça va, déjà. Oh, je l'ai pas vu. Tu veux réessayer ? Bah très oui. Bien. Quand je tire sur un terraformeur. Oui. Combien? On va 2. 3. On va 4. On va 5. 6. 7. On fait une super équipe. Ah oui. Tiens, je voulais donner ça à l'alchimiste, mais je suis un peu fâché contre lui en ce moment. Et le dernier orbe qui nous manquait. Parfait, donc normalement, on est à 100%. Parfait, nous avons terminé pour aujourd'hui, donc on va retourner à Tourndra hivernal, on voyage et on va se quitter pour aujourd'hui. Voilà, donc on avait ramassé un petit peu de diamants, c'est là qu'on a appris la charge, hein. Donc là je viens de m'apercevoir, vous avez vu, c'est qu'il y avait quelque chose en bas qu'on n'a pas fait, on va les faire maintenant. Hop, parce que je l'avais pas vu. Comme ça, ça sera fait. Parfait, on prend les petits oiseaux, on remonte et on se laisse ici pour aujourd'hui. Donc je pense que on fera la forêt d'été, ça c'est les autres mondes, tout est fait. Hop, on fera la première ici, hein, tout simplement. Ce qui est... Ah, c'est un M. Marécage mystique.
on se laisse ici. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé l'épisode. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. À bientôt, au revoir.